Bonjour mesdames et messieurs. Bienvenue sur votre émission de promotion de l'entrepreneuriat, la Minute de l'entreprise, animée par le GEL Sud Bénin sur la radio Mounou La Voix de Lokossa. Aujourd'hui, nous allons aborder les mauvaises habitudes qui détruisent au quotidien une entreprise. L'objectif premier de tout entrepreneur est la réussite de son business. Toutefois, sans le savoir, ce sont nos propres habitudes qui freinent la croissance de nos activités. Être performant signifie se débarrasser des mauvais plis qui subtilement font de mauvaises habitudes et donc entravent le développement de nos structures. Allons un peu dans le détail des mauvaises habitudes. La première habitude est de laisser les échecs mettre un mauvais pas et être maître de votre esprit. Sur le chemin qui mène à la réussite, vous subirez forcément en tant qu'entrepreneur des échecs et vous ferez de multiples erreurs. La vie de l'entrepreneur est par essence même loin d'être un long fleuve tranquille. Cela ne doit pas vous faire peur, vous lamenter ne servira à rien, mais plutôt un défi que vous devez relever. Vous devez revenir sur votre échec, faire des analyses, faire ressortir les causes et les conséquences de ce mauvais résultat. On réalise de ce fait qu'on peut faire mieux prochainement, évitant de commettre les mêmes erreurs. Ainsi, vous identifiez le problème en lui accordant l'importance qu'il mérite. Vous l'affrontez sans le considérer comme une catastrophe, mais plutôt comme une étape formatrice. Remplacez alors, chers entrepreneurs, votre peur par la curiosité de découvrir comment vous allez rebondir. La deuxième habitude est de remettre constamment à demain. La tentation est forte de remettre au lendemain ce que vous pourriez faire aujourd'hui, mais que vous n'avez pas envie d'effectuer. À moyen terme, retarder sans cesse peut s'avérer une véritable source de stress, car au final, vous accumulez les tâches que vous n'aimez pas réaliser et vous trouvez à la fin que vous avez une liste de tâches qui augmente chaque fois de jour en jour. Dans ce cas, il faudrait les accomplir un par un. Alors, le mieux en tant qu'entrepreneur est de planifier vos tâches au quotidien. Prenez donc votre courage à deux mains en commençant votre journée par les tâches que vous n'avez pas envie d'aborder. Vous verrez qu'une fois que vous aurez terminé, un sentiment de bien-être et du devoir accompli vous envahira et que vous pourrez profiter au mieux de votre journée sans y penser sans cesse. La troisième habitude qui détruise au quotidien votre entreprise est de se trouver constamment des excuses. L'entrepreneur doit être un individu qui possède des convictions. Si vous passez tout votre temps à vous justifier et à expliquer pourquoi vous ne réussissez pas, cela ne vous aidera pas. Vous devez au contraire savoir jusqu'où aller, comment y parvenir et mettre tous les moyens pour atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Rejeter la faute sur les autres et sur les circonstances ne sera qu'une perte de temps et démotivera vos collaborateurs. Chers entrepreneurs, adaptez-vous et vous vous rendrez compte que vous arrivez à gérer les situations difficiles et à atteindre votre but. Au lieu d'abandonner à chaque complication qui se présente, l'entrepreneur doit utiliser son énergie à réfléchir sur la manière de faire autrement. En quatrième point, et donc la quatrième habitude qui détruise au quotidien une entreprise, est de travailler trop ou de ne pas préserver sa santé. À vouloir trop faire, vous pourriez parvenir à une situation malheureuse qui arrive à une bonne partie des chefs d'entreprise. Si travailler beaucoup fait partie des obligations des entrepreneurs, mais il est important de ne pas s'exténuer. La création d'une entreprise ressemble plus à une course d'endurance qu'à une course de vitesse. Vous devez donc maintenir votre énergie sur le temps. Pour ce fait, réservez-vous des moments où vous ne travaillez pas, notamment les week-ends, ou accordez-vous quelques pauses. Vous serez alors plus productif, créatif et sûrement moins stressé. On considère trop souvent la santé comme secondaire, alors que dans la réalité, il faut être en bonne santé pour travailler et construire son entreprise. La cinquième habitude qui entrave le développement d'une entreprise est d'enjoliver sa boîte et sa réussite. Autrement dit, nous devons savoir si une des facilités dans lesquelles peut facilement tomber le chef d'entreprise consiste à enjoliver un peu trop son activité, voire à carrément tomber dans le mensonge. Malheureusement, cette manière de se comporter, qui peut porter ses fruits sur le court terme, peut se révéler à double tranchant. On le sait, la vérité se révèle toujours et votre crédibilité peut rapidement en prendre un coup. Les constats souvent faits consistent à gonfler le nombre de collaborateurs qui travaillent au sein de votre structure ou le chiffre d'affaires.
alors que certains préféreront vous aider car justement votre structure a une taille raisonnable ou est en pleine croissance. Soyez donc franc et assumez votre situation. Toute entreprise a réussi est bien passée par là, par vos stades bien sûr, pour aller à un développement, à une croissance. N'ayez donc pas honte et assumez votre étape de croissance. La sixième habitude est de se fixer des objectifs impossibles à atteindre. Souvent, par manque de lucidité, un porteur de projet se fixe des objectifs irréalisables ou complètement surréalistes par rapport à sa capacité réelle de travail ou celle de ses collaborateurs. La réussite consiste à atteindre les objectifs que l'on s'est fixés. Il est donc important de savoir que l'évolution se fait étape par étape. Faites la distinction entre ce qui relève du raisonnable, du réaliste et de l'impossible. Même si votre intention est de réaliser quelque chose d'original, de grand, qu'aucun de vos concurrents n'a jamais réussi, posez des jalons qui vous aideront à percevoir votre avancée pas à pas, ce qui vous motivera davantage. La quatrième habitude qui entrave le développement de sa structure est de ne pas se fixer de priorité. Le métier d'entrepreneur reste composé de multiples tâches quotidiennes. Pour réussir à développer votre business, l'organisation demeure primordiale. Établir un planning et une liste de tâches prioritaires apparaît indispensable. Vous devez faire le tri et vous fixer des priorités pour ne pas perdre la tête. Il vous faut définir les actions à réaliser afin d'atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés et surtout définir l'ordre dans lequel vous devez les réaliser. Ne cherchez pas à tout faire à la fois. Travaillez suivant un plan. Assurez-vous alors clairement de ce que vous voulez faire et vous verrez le succès serait au rendez-vous. Cependant, le chef d'entreprise doit être conscient que ses priorités peuvent changer et qu'il doit de ce pas faire preuve de flexibilité en toutes circonstances. Distinguer le nécessaire et le superflu, l'urgent et ce qui peut attendre, ce qui vous rapporte beaucoup et ce qui ne vous est pas profitable. Et donc, amis auditeurs, voici les 7 points, les 7 habitudes que nous faisons et qui minent au développement de notre structure. Nous devons donc savoir que être entrepreneur, faire croître son entreprise dépend fondamentalement de nous. Merci pour l'écoute et restez connectés sur la radio Mourou, la voix de Lokossa.